Salut à tous, c'est Caroline pour la chaîne des box. On se retrouve pour la présentation de la box Evidence, donc l'édition de Noël. La boîte me plaît beaucoup. On a la fameuse petite boule de Noël avec une patineuse dans le fond. Cette box va rester en déco, c'est sûr. On retrouve le flyer qui reprend l'illustration et le thème de Noël. Attention, roulement de tambour, suspense. Eh bien, c'est Noël. Le premier produit que je pioche, il s'agit donc très conforme. Avec une illustration originale, je vois des carottes. Je vois des carottes. Carottes et coconuts. Ah oui. Il s'agit donc d'un gel douche. Je vais regarder ce qu'ils nous disent plus précisément. Effectivement, un gel douche aux légumes du jardin bio. C'est énorme, très original. Ça va venir nettoyer et hydrater intensément notre peau. Alors ce produit, j'ai franchement hâte de le tester. On poursuit avec un produit maquillage. Il s'agit d'un rouge à lèvres. Alors, ce rouge à lèvres, je l'ai déjà eu. C'est pas bien grave parce que c'est un très bon produit. De la marque Bouho, je pense que c'est comme ça qu'on dit, naturel. J'ai la teinte 313, donc c'est vraiment la teinte que j'avais eue. C'est un bordeaux un peu fuchsia. Il s'agit donc d'un rouge à lèvres qui est green, donc qui est naturel. Et c'est très appréciable. Voilà, je sais qu'il avait un joli rendu et une tenue qui était quand même très correcte. Je continue. Et je suis très heureuse parce que nous avons un sérum. Vous savez qu'à chaque fois que je trouve un sérum, oh là là, prétentieuse, je t'en prie, à l'extrait de grenade. C'est donc un sérum. Vous savez que les sérums, on l'applique toujours avant notre crème de jour ou avant notre crème de nuit. Apparemment, une seule goutte suffit. Donc on, hop, on tapote. On n'oublie pas, évidemment, je le répète, le coup. Et bah, voilà, c'est un sérum qui va apporter de l'éclat, comme le nom l'indique, à notre peau. Sérum éclat à l'extrait de grenade de la nouvelle marque, c'est pour ça que je ne connaissais pas, oh là là, qui va venir hydrater, tonifier et illuminer votre teint. Je pioche une papillote, petite papillote de Noël, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc cette papillote est à base de pralinés noisettes, bio évidemment, et équitable, de la chocolaterie Frigoulette, c'est original. Je continue avec un gros produit que je connais, que j'ai déjà eu, de la marque Pure Skin Food. Il me semble, je vais vérifier, que c'est un tout en un 2, un 3 en un, 100% organique, lotion tonique de Pure Skin Food qui nettoie, démaquille et hydrate votre peau, mais pas que, trois petits points. Ça va avoir une action relaxante qui apaisera également notre esprit. On a un schéma pour nous indiquer un petit peu la marche à suivre. On le met, hop, à peu près à cette distance pour venir pulvériser. Donc tout est écrit derrière. Et c'est une bouteille en... C'est un petit flacon pompe. Lavandeur. Ah, petit bémol, mais ça, ça ne tient qu'à moi. Je suis pas très très fan de l'odeur de la lavande. Mais ça, ça remonte à l'enfance. Ça arrive. Ensuite, eh bien c'est tout les enfants. Je m'emballe, je dis ensuite. Mais non, cette box est terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, les produits sont de qualité. Le petit bémol... En même temps, je suis testeuse, hein, je suis là pour donner mon avis. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de produits dans le thème de Noël. C'est pas très rare, à part la petite papillote et le rouge à lèvres, parce qu'on peut mettre en avant le fait que ça nous aidera pour le réveillon. Tu peux porter ça le soir de Noël ou le réveillon du 31. Le reste, peut-être ça également, pour avoir la peau éclatante. Mais je m'attendais à des produits un petit peu plus Pepsi et qui soient vraiment en relation avec Noël. Mais dans l'ensemble, c'est très convenable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut.